Bonsoir à toutes et à tous, c'est Pyrux. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le premier épisode bonus, donc l'épisode 39. Donc à partir du 39, ben, c'est que des bonus d'épisodes vu que j'ai fini avec Gallius ce jeu, donc Pokémon Y et X du coup, parce que c'est un peu la même chose. D'ailleurs, en parallèle, je finis ma X, ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt, je pense d'ici quelques jours, la possibilité de voir moi faire la ligue avec X, donc avec d'autres Pokémon. Que j'aurais en fait pu choisir durant ce Let's Play Y, mais j'ai voulu diversifier, donc j'ai eu plein de Pokémon de différents types. Là, dans ce Pokémon X, j'ai pris les Pokémon que je voulais vraiment avoir en fait à la base. Et j'ai réussi à faire une team un peu presque monotype, mais une team qui est pas mal malgré tout. Donc voilà, en tout cas, ça fait toujours chaud au cœur de se dire qu'on a fini. Enfin, pour moi, c'est fini le jeu, hein. Je veux dire, après, c'est plus trop le jeu, enfin, c'est le jeu toujours, mais. L'aventure de Pokémon, pour moi, c'est un scénario qui se construit autour d'une méchante team, ici à Team Flare, qu'on a pu défaire, et à la fin, gagner notre titre de champion de ligue. Pour moi, c'est ça, le jeu Pokémon. Après, bon, y a encore la suite, mais ça, c'est plus pour le personnel. Mais bon, on va voir quand même ce qui se passe, parce qu'en descendant de la maison, donc on va forcément faire continuer un petit peu le scénario, légèrement. Merde, j'étais déjà en bas, en fait. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc, il t'a donné rendez-vous à la gare d'Illumis, tu dois voir. Ok, donc on va à la gare d'Illumis pour voir ce que on va faire. Voilà. Tu te pousses, mais moi je suis soufflé, quelle parade c'était. J'aimerais te donner un truc. Je sais pas trop si je peux, mais ce soir je peux. Non, en fait rien. Oh, et puis ici quand même. J'aimerais qu'on se fasse un échange de Pokémon. Un échange de Pokémon. Ça serait comme échanger des bracelets de l'amitié en moins ringard. Je propose mon précieux grenousse que j'ai fait éclore moi-même. Mais comme je t'aime bien, je. Ben voilà, elle avoue en fait qu'elle m'aime bien. Je vais prendre n'importe quel Pokémon que tu voudras me donner. Oui. N'importe lequel. Ah, vous pouvez voir ma boîte. Avec mes nombreux shiny offerts par vous, mes abonnés, donc je vous remercie. Regardez-moi ça, blindé pique, il est trop cheaté comme ça. Il est trop magnifique. Je pense que je vais entraîner, en plus il est richite, putain. Je viens de voir, il a pare-balles et tout. Ouf, 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 ouf. Je crois qu'on va l'utiliser. VG attaque, ça va là, tombe roche, marteau. Ouais. Bon alors, j'ai aussi mes Didika. Voilà, j'ai des petits Pokémon sympathiques. Qu'est-ce qu'on va. J'ai aussi un petit Salamèche rigide qui m'attend. Je sais pas quoi trop lui donner. Est-ce que j'ai un Pokémon qui me sert pas trop? Oui, j'ai aussi des Pokémon ici. Il y a un petit peu des trucs chelous. M'en tenez pas rigueur. Ventouse, j'en aurais besoin, Ventouse quand même. Bah. Les Ronflex, on en a plusieurs. Ouais, Coiffarel, c'est de la chèvre. Allez, on change Coiffarel. Rigide malgré tout, bon, c'est pas grave. C'est histoire d'avoir la grenousse, hein. Ah, la belle affaire! Donc en fait, dans chaque version, on aura la possibilité d'avoir deux starters. C'est la première fois qu'on a ça, hein. Deux starters de la même génération. Donc c'est cool, grenousse, c'est un Pokémon que j'aurais bien voulu avoir. Et puis du coup, bah, c'est sympa. Donc un petit grenousse niveau 1, logiquement. Je sais pas du tout si la nature est fixe ou aléatoire. Mais il y a pas ce qu'elle est aléatoire. Donc, Kermimi. Un petit surnom de pelote. Forcément, c'est celle qui l'avait le Pokémon. Est-ce que je pourrais savoir. Non. Surtout, Cheatboost, fais attention à mon Pokémon, hein. Enfin, c'est comme ça qu'il faut faire avec tous les Pokémon, de toute façon. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et le Rhinocorne, il va bien depuis le temps, mais. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ouais, c'est la fiesta, quoi. Bon. Ok. Donc on peut pas le descendre de lui sans qu'il se mette à sa place. Ok. Bon bah on va aller à l'Illumis du coup. Ah merde. On va aller à une ville la plus proche pour pouvoir voler. On a le temps, hein. C'est un épisode un peu après League vraiment. Après je pourrais en fait choisir où je veux aller. C'est pour ça que maintenant bah, ça sera plus en mode découverte de ce qu'on va faire. Je sais que comme je vous l'ai dit dans l'épisode avec Gallius, il y avait des légendaires à choper, je sais qu'il faut voir plusieurs fois l'oiseau légendaire pour qu'on puisse le capturer dans son antre, né mien, truc comme ça. Il y a Mewtwo qu'on peut choper quelque part. Bah, dans sa grotte là-bas, la grotte noire, là, je sais pas comment elle s'appelle.
Il y a... Oula, différents niveaux. Il y a aussi... la larve là, je sais plus comment ça s'appelle. Zygarde qu'on peut trouver dans sa grotte aussi. Celle qu'on avait vue juste avant, je sais plus quelle ville. Flucel ou je sais plus qui. Non, ah, Moselle, je crois. Je sais plus. Enfin, voilà, un truc comme ça. Voilà. Tant qu'on pourra capturer aussi celui-là. Après, je sais pas si les captures, je vais peut-être en faire une, comme Mewtwo ou je sais pas qui, avec, avec Galius ou des autres personnes, on verra. On verra bien comment je vais faire ça. Mais donc pour l'instant, aujourd'hui, ben, c'est un peu well, donc je devais sortir de la chambre et puis ben, faut croire que je suis descendu sans faire exprès. C'est pour ça que le dialogue ne s'était pas affiché, pardon. J'ai du mal aujourd'hui, j'ai du mal. Mais c'est l'émotion, c'est l'émotion. Et vous aurez aussi, donc, comme je vous ai dit, la ligue en tout cas avec X et tout, hein, ça suffit amplement. Parce que vous avez déjà vu le jeu, etc. Donc je pense que ça vous ferait plaisir que je fasse la ligue. Avec vous, enfin que je vous montre comment j'ai pu faire la ligue, quoi. Avec les Pokémon que malgré tout j'aurais pas entraîné. Hein. Là, c'est vrai que pour ce jeu, pour cette partie Y, j'avais entraîné mes Pokémon aux EV pour tester le truc. Et c'est vrai que c'est vraiment un bon plus. Là, je le fais pas pour, vous voyez, là pour Bolo, pour les autres, n'importe. Hein. C'est tous des bruts dans des stats. À part des monstres que j'ai un peu bon partout. Mais sinon, vous voyez, c'est assez barbare, on va dire, comme système d'entraînement. Qui fonctionne très bien, qui fait beaucoup plus de dégâts. Mais bon, ça, on peut le voir aussi seulement au niveau son. Les dégâts qu'on peut faire, il faudrait tester si vous voulez voir la différence. Vous prenez un Pokémon, par exemple, Nymphali. Vous lui donnez le maximum d'attaque spéciale. Et vous faites pouvoir lunaire sur un Pokémon qui résiste, histoire qu'il puisse... que vous puissiez voir combien vous lui enlevez. Et vous faites la même chose sans... avec l'autre Nymphali qui n'a pas eu tous ses EV en plus. Vous verrez, la différence, elle est vraiment flagrante. Vraiment. Donc ces EV, pour ceux qui trouvent que c'est chiant et lent, franchement, ce n'est pas si chiant et lent. Il faut juste, c'est vrai, prendre un peu le temps. Des fois, vous avez rien à faire, je pense. Vous faites ça 10 minutes, ça suffit. Puis chaque jour, un petit peu 10 minutes, au bout d'une semaine, vous avez un Pokémon qui est fait. Voilà. Et après, ben, vous faites plaisir et à utiliser Pokémon, il fait mal, et puis voilà, vous n'êtes pas un petit faible qui perd à chaque attaque, il perd la moitié de ses vies minimum, parce que voilà, même si c'est pas efficace, vous voyez le truc. Donc, franchement, prenez part un peu à ces histoires de V, d'entraînement, en plus c'est assez... malgré le fait que ça soit toujours la même chose, on tire avec un ballon dans des cibles, c'est encore assez diversifié les exercices selon ce que vous voulez, vous avez reçu des fonds, ok. Selon ce que vous voulez entraîner, par exemple la défense spéciale, l'attaque et les PV, ça sera pas le même entraînement. Donc voilà. Donc je vais prendre un Pokémon qui vole en fait, tout simplement. À la place de n'importe qui, de toute façon, faut juste que je puisse voler librement. Et donc voilà, donc entraînez-vous avec ce logiciel qui est vraiment cool. Donc le SPEV, hein, je parle du SPEV. Pour ceux qui auraient... Enfin, le SPV, enfin voilà. Vous m'avez compris. Donc, ouais, alors au niveau de l'aventure, du coup, je sais, il y a aussi l'histoire avec les détectives. Le détective de Platine, je sais pas comment il s'appelle. Putain, j'ai le nom sur le bout de la langue. Yaseplo. Détective... Belladonis, voilà, Belladonis. Et... il faut qu'on aille où, déjà? La gare. On va au centre, déjà, pour voir où c'est. On prend un taxi comme ça, c'est plus rapide. Et j'ai oublié de voir à quelle heure j'avais commencé en fait. Ce qui est un peu con. Attendez, j'ai commencé à quelle heure? Ouais, j'ai pas mis Audacity cette fois. Merde. Bon, on va lancer maintenant Audacity histoire de... On va dire que ça fait... Ça fait même pas 5 minutes que je parle, 7 minutes, 5 minutes. Donc c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est juste histoire que je sache me calibrer. On va vous faire un épisode trop long, surtout qu'il va pas être, on va dire, épiquement épique cet épisode par rapport à l'ancien, enfin juste celui, enfin le 38 quoi. Ça c'est clair. Hein. Mais ça je peux rien y faire. Hein. On peut pas faire un épisode plus épique que la ligue. Après la ligue quoi, je veux dire. À moins d'être un psychopathe barbare. Oula, il y en a un qui veut se pendre. Si vous avez vu. Alors, on va chercher un taxi. Taxi. Ah, parfait. Merci d'avoir une mignonne. Alors, toujours aussi cher. Et bon, moi, j'ai le fric, ça devrait aller. On va aller... c'est quoi qu'il voulait aller? C'était un...
C'est quoi un service? Studio aux fringons beauté, détente, loterie. Je veux. Haute destination. Je veux une gare, s'il te plaît. Ah bah c'est là, côté gare. Il n'y a qu'une seule gare, j'imagine. Ouais. Vous allez me dire, mais oui, bien sûr. Bah non, à Paris, il y a plusieurs gares, les gens. Enfin, je veux dire, vous allez dire, ouais, il n'y en a qu'une seule gare, forcément. À Paris, il y en a au moins 7 ou 8, hein, je crois. Ou j'ai de la merde. Il me semble que j'avais parlé avec un taximan une fois, à Paris. Qui m'avait dit qu'il y en avait 4 d'un côté du pont, et 4 de l'autre côté, ou 3, je sais plus, un truc comme ça. Ou il m'a dit de la merde. Mais ça dépend, je trouve que c'est des petites gares aussi, qui servent pas trop. Il y a pas, ça, je crois qu'il y a au moins 4 gares qui servent. Genre, gare de Lyon, Montparnasse. Gare de Lyon, Montparnasse. Je les ai pas pris les autres pour ça en fait. Gare de Lyon et Montparnasse, c'est celle que je prends pour aller pour ma choupie. Mais après le reste je les prends pas donc je peux pas savoir. Il y a pas Austerlitz, c'est comme ça. Bon alors regarde, tu vas pas aller n'importe où, tu restes là. Tu vas pas penser aux gares, tu vas rester ici, tu te calmes et tu vas là-dedans. Et voilà donc Oh les mains! Oh y'a un voleur et tout. Ah bah dommage. On t'a encore fait peur, hein, désolé. On t'apporte un cadeau que le professeur a oublié de te donner. Le centre, les côtes et les monts de Kalos. En fait, on ne voit pas toujours le meilleur de tout de suite. Il reste encore de nombreux Pokémon à découvrir, même dans les recoins qu'on a déjà visités. Et c'est pour ça que nous sommes venus, pour améliorer ton Pokédex. Ok. Maintenant que le Pokédex national est disponible, n'hésite pas à le sélectionner dans le menu du Pokédex. Profite bien du temps passé avec les Pokémon, on n'en a jamais assez de ce précieux temps. Merci bien, donc ces deux, ils servent à rien en fait, ils servent juste à faire level up mon Pokédex, parce que ce gars là, qui est juste en face de nous là, enfin, celui là, c'est un putain de crevard. Pyrrhix, Pyrrhix, félicitations pour la parade. Parfait, bon, sans plus de préliminaires, en plus ils disent que des mots de... Vous me comprenez. J'ai qu'à la pêche sur ma mère, merde. Je t'ai fait faire le déplacement pour t'offrir un beau cadeau, un pass TMV. Il te permettra d'aller à Batisque. C'est quoi Batisque? Je vois son regard vite qu'une explication s'impose. Batisque est une ville du sud de Kalos. Oh là là, on va à Marseille les gens. C'est l'endroit idéal pour un dresseur qui vise toujours plus haut. Alors on ne discute pas, prends ton billet de TMV pour Batisque. Non, Batisque ça doit être Bastia, non? Un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas si Bastia sur le sud en fait, je sais pas. J'ai de la merde, mais je suis suisse, hein, je vous répète. En TMV, oui. En train à méga vitesse, je ne fais pas les choses à moitié, tu me connais maintenant. Il te suffira d'aller examiner la borne orange à l'entrée pour valider ton billet. Simple, n'est-ce pas? Alors, c'est un truc que je fais jamais, parce que moi, mes billets suisses sont déjà dégriffés, ou je sais pas comment on appelle ça, dégriffés. Enfin, on a pas besoin de faire le passer. Donc, c'est la première fois que je vais passer un billet dans cette machine. Profites-en bien! Ok, on va dégriffer le billet. Bonjour. Composter, hein, composter le billet, pas dégriffer. Voilà, il y a un petit bruit aussi. On va à Batisque. Nickel. Comme ça, on va avoir une petite. On pourra le visiter, etc. C'est quoi cette musique, hein? Donc allons-y, hein. Décollons. Est-ce qu'on va voler peut-être? Peut-être on vole, hein. Non, on n'a pas vu. Garde de Batisque, alors qu'est-ce que tu vas me dire, toi, sur Batisque? C'est des bronzés, donc c'est au sud, c'est bien, c'est juste. Tu as un Pokédex? Laisse-moi te poser des questions. Quel autre rôle, Fluffetin, remplissait-il auprès des dames de la cour? Fluffetin, c'est lequel? Parfum. Félicitations, voici le prix que tu as gagné. Genre comme ça, tu sais. Bon, bah merci. Ça fait plaisir. Bonjour toi, tu t'es perdu? Le TV marche à l'électricité sans la centrale de Kalos, il ne bougerait pas d'un poil. Ok. Ok, ok, no soucis. Parle. Par le plus grand des hasards, ne seriez-vous pas le célèbre Pyrrhux? J'ai eu l'heure de pouvoir assister à votre défilé. On le fait si bien moi. Je le savais, impossible d'oublier le visage d'une personne digne de porter l'insigne de Kalos. Je vous suis si reconnaissant d'avoir arrêté... d'arrêter les menées criminels de la Team Flair. Si je pouvais vous exprimer ma gratitude d'un geste aussi modeste soit-il... Magneto VS, ça c'est très bon ça. Ça c'est très bon, merci beaucoup vieux monsieur. Grâce au Magneto VS, vous pouvez enregistrer des vidéos de combat lorsque vous affrontez vos amis ou dans certains lieux bien définis. Mieux encore, en vous connectant à internet, vous pouvez envoyer vers le serveur des vidéos que vous aurez enregistrées.
Vous pourrez aussi chercher une vidéo de combat particulière envoyée vers le serveur par un autre joueur en saisissant le code de celle-ci. Ah, c'est comme ça que ça marche, ok. Donc on a besoin d'une connexion pour faire ça, vu qu'on doit le mettre sur un serveur. La vidéo qu'on peut après reprendre, c'est ça le truc. Donc voilà. Donc ça pleut ici, hein. C'est digne du sud. C'est pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Ok, pardon. Je n'ai pas un teint de lys et de rose. Pour une superstar comme moi, c'est dramatique. Tu crois que tempête florale pourrait m'aider? Yo, c'est pas. Yo, c'est pas. Ici, c'est un petit peu... Ah, je veux un cheese, là. Je veux un cheeseburger. Ok, je peux pas. Je peux pas prendre une cheese. Oui, je suis pas au McDo, je sais, mais je voulais... Ah, on va voir quelle nature il est, le petit grenousse. Histoire de voir. Histoire de voir ce que nous a proposé de bien. Je parie qu'il sent de merde, mais bon, c'est pas grave. Pour faire des bébés, au moins, avec ce truc. Il est où? Il voit pas. Ah, il est là. Il est... Je veux dire, c'est bien, ça, non? Attends, ça augmente la vitesse et ça baisse l'attaque spéciale. On peut jouer physique dans ce Pokémon, donc ça peut être pas mal. 00037, pas mal le petit numéro idée de la petite Sana. Ouais, ce Grenou c'est jouable en plus. Donc c'est cool. Enfin, jouable. Ouais, dans une team quoi. Parce que malgré tout, ces trois Pokémon, les trois starters sont jouables. Hein. Bolo c'est un peu plus compliqué, mais il reste quand même assez bon défensivement parlant. Mais après, faut savoir jouer quand même parce que c'est chaud. Je suis venu à la maison des combats pour échanger mes PCO contre des cadeaux. Alors oui, c'est vrai que les PCO sont très importants dans ce jeu, comme tous les autres jeux Pokémon. Donc les points de combat sont ici utiles pour choper plein d'objets comme l'orbe vie, mouchoir choix, bande au choix. Tous ces objets qui sont très très utiles pendant le combat. Et là, on a une flotte, mais on peut pas pêcher. Je voulais un Magikarp doré là-dedans. J'ai la panne la plus grandiose qu'on puisse imaginer. Un chapeau couleur vive, des baskets. Voilà le genre de vêtements masculins qui me rendrait l'inspiration. Je sais pas pourquoi on parle de ça. On fait le tour, hein, on fait le tour parce qu'en fait on est où là? Je pense qu'on est perdu sur une île. Mais Bastia c'est pas... C'est pas sur la Corse. La Corse c'est français non? Bastia ou c'est Ajaccio. Ou Ajaccio et Bastia c'est sur la Corse aussi. Je sais qu'Ajaccio c'est sur la Corse. Après Bastia je sais plus si c'est aussi sur la Corse. Il me semble que oui. Donc là peut-être on est sur... Si on est sur une île. Bah non mais on est pas sur une île. Ils auraient dû le mettre en bas à gauche quoi. Bah ils ont pas trop... Ils sont pas trop descendus quoi. Ils sont pas foulés la tête. Hein. Pour moi c'est pas une île ça, c'est un village qui est perdu plus loin quoi. Ok, donc au sud, c'est pas Bastia alors. Qu'est-ce que ça pourrait être Bastique. Je sais pas, je sais pas. Puis c'est pas Marseille, Marseille c'est plus quand même là, je pense. C'est plutôt vers Toulon, même pas, c'est plus à droite encore. Je sais pas ce que c'est, désolé. Qu'est-ce que c'est ici? C'est un peu les prix qu'on peut avoir. On va voir ce qu'il y a. Ah non, c'est peut-être le safari. Bah voilà, ça c'est bon ça. Bienvenue au safari des amis. Êtes-vous paré pour l'aventure? Je pense avoir plus quand même. Cette installation vous permet de partir explorer le safari de vos amis. Le type de Pokémon que vous pouvez rencontrer pendant un safari est prédéterminé, mais les Pokémon peuvent être différents d'un safari à l'autre. Si votre ami est en train de jouer à son jeu Pokémon, vous en rencontrez en plus grand nombre. Enfin, plus vous avez de codes amis, plus vous pouvez visiter des safaris différents. A vous de sympathiser avec un maximum de dresseurs, de personnes, bienvenue au safari. Ok, bon, plus que jamais, on va essayer de voir ce que ça donne. Alors. Donc j'ai du spectre. Du plante. Oh, Galius, tes petites fées. Oh, t'es trop cheat, mec. T'es trop cheat. Tu mérites un gros bisou. Raptor, spectre, combat. Électrique. Eau, dragon. Eau. Wouah, 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 wouah. Feu, feu. Y'a quoi au feu? Ah, on peut pas savoir ce qu'il y a. Oh, on est obligé de rentrer pour savoir ce qu'il y a, t'es sérieux? Ah là là, ça c'est trop bien pour nous obliger. Acier, ça c'est cool. Acier, glace, insecte, insecte, sol. Vol, glace, sol. Vol, sol, sol. Spectre, psy, psy. Spectre, j'ai un peu de tout quoi, je veux dire. J'ai vraiment un peu de tout. Fée encore, y a pas beaucoup de fées hein. Je regarde cette ténèbre. Ah, oh, j'ai peur là. Fée, il n'a pas des masses non plus. En tout cas, c'est. Ouais, c'est rempli de Pokémon, c'est sympa. Mugitoff, c'est vol, Scizasol, The Kairi Insect. Ouais, ça peut aller. Milu, normal.
sais pas ce que c'est les gens qui sont... Je pense que c'est ceux que j'ai jamais rencontrés en même temps. Jamais vu en même temps que moi. Donc on va aller dans un handball. J'aimerais aller dans le type... dans le type fée, histoire de voir ce qu'il y a. Franchement, ça m'éclate très bien. Donc dans ces safaris, ce qui est bien, c'est que les Pokémon Shiny sont plus faciles à avoir. Donc pour ceux qui kiffent les Shiny, ben, et qui kiffent certains types de Pokémon, vous pouvez les choper ici. Donc il y a du Kirlia, donc ça c'est très bon. Très très bon Kirlia. Un Pokémon qui pourrait m'être utile dans le futur. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a du Mistibule. Oh, que des Pokémon qu'on peut méga évoluer, c'est bon ça. Et le troisième Pokémon, parce que il y a, je sais pas lequel est le rare. Hein. Je pense que c'est le Mistibule le rare. Quoique, je sais pas. On va se faire un peu des petites rencontres histoire de voir. Ben les trois. On va tout de suite voir lequel est rare parce que si on les voit. Bon, on a vu les trois. Mélofée, ok. Bon bah sympa. Mélofée est un Pokémon qu'on peut pas avoir autrement qu'ici, je pense. Hein. Donc c'est cool, donc là j'y reviendrai un jour. on va aller voir un autre safari si on peut sortir comme ça. C'est vraiment hyper hyper cool, c'est comme parc, c'est vraiment hyper utile aussi pour ben pour peaufiner nos teams et notre Pokédex surtout. Alors je vais tester le feu. Oh, le dragon y a. Dragon un peu. Ah, il en a que deux parce qu'il a pas fini. Il s'est pas connecté, c'est ça? Ouais. Putain, y a pas beaucoup de dragons qui sont connectés. En même temps que moi. C'est pas bien, les gens! Ceux qui voient cette vidéo, essayez de vous connecter souvent! donc on va essayer le feu. Greg. Ouais, Greg, ça finit, je sais bien. On va aller voir Greg. Je pense que c'est le Greg que je connais. Donc ça est nude. Donc si c'est toi, je te salue, mais je suis pas sûr. Il y a tellement de personnes qui peuvent s'appeler Greg que. Donc un brésillon, pourquoi pas. Puis les niveaux ils sont pas dégueulasses, hein. On peut voir facilement les EV, les IV qu'il pourrait avoir avec un tel niveau, ça c'est vraiment cool parce que si t'es niveau 5 ou 1 ça aurait été plus compliqué. Surtout qu'on peut s'essayer à faire des tests de capture, tout ça, franchement ça peut être cool. Ouais bon, Flamajou c'est pas top. Et puis le dernier, je pense que, je sais pas si brésillon était le rare, hein, vu que c'est un Pokémon qui évolue. J'aimerais bien avoir un petit Caninos dans le... Dans le tas. Donc voilà. Brésillon, donc non, visiblement celui c'est le mirare. Enfin, le peu commun, mais bon, ça va. Je pense que Flamajou serait le commun. Et le rare, on l'a pas encore vu. Visiblement. J'ai tombé sur un Shiny. Ce serait pas mal. Ouh, Pyrony. Oh, j'y reviendrai ici, j'y reviendrai. C'est sûr. Aïe, oh, le petit juif du talon. Ah, ça c'est Pyrony qui m'a fait ça. Bonjour Pyrony, je reviens plus tard, t'inquiète pas. Après, il y a de quoi se faire plaisir. On va en refaire un. On va essayer de trouver un type dragon pour voir ce qu'il y aurait comme dragon. Comme, de la nature comme ça, à capturer, ce serait vraiment épique sur un dragon un peu innovant. Genre, je pense à Coupe-Note ou directement un 6H. Ce qui serait pas mal, mais je cherche un Pokémon, enfin un dresseur qui a fini le jeu visiblement, que j'ai pu voir au moins une fois ensemble. Dragon, parfait, Jesse. Merde, il a pas fini le jeu. Donc vous devez finir le jeu pour que ça fasse effet. Parfait, parfait. Alex, stylé. Tu gères. Donc visiblement, comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs types qui reviennent. Après, je sais pas si c'est le hasard ou s'il y a une rareté au niveau des parcs, mais à mon avis, le type fée, par exemple, on l'a pas beaucoup vu. Oh, un Sunstrel, sympa. Je sais quoi, le type fée, on l'a pas beaucoup vu dans ma liste. Et le type dragon, ça va encore, le type dragon, il est vraiment pas si rare que ça. Le type feu, quand même, aussi, hein, un peu hardcore, hein, chez moi, en tout cas. Je sais pas chez vous, mais chez moi, c'est un peu hardcore. J'ai beaucoup de types... j'ai pas trop de types plantes, il me semble. Hein. J'ai regardé comme ça, vite fait. Bon, c'est pas un type qui me... qui m'excite des masses, mais ça peut toujours être sympa. Y a quoi encore? Type acier qui était sympa, j'en ai eu quelques-uns. Sol une chier, spectre une chier. Ténèbres aussi, il n'y en a pas beaucoup. Ténèbres c'est rare. Le ténèbres c'est un...
C'est un type de Pokémon que j'admire vraiment. Je dirais comme ça, Dracarma. Alors lui, ça doit être le rare, je pense, quand même. Parce que c'est pas de la merde, là, quand même. Dracarma comme ça. Vous imaginez? Bon, on peut le trouver dans le blanc et noir aussi, dans le blanc. Dans sa tour, là, mais... C'est vrai que... Sunistrel est le Pokémon commun qu'on peut aussi trouver dans ce jeu, hein. Mais seulement à la fin, sur la route victoire, il me semble. Que j'ai pas vraiment eu l'occasion de croiser, vu que, visiblement... J'ai même pas fait de repousse, hein, dans la route victoire, et puis j'ai même pas croisé tant de Pokémon que ça. Hein. Donc on va juste... voir... Oh, Karmash, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Directement un Karmash. Bon bah voilà, on a fait le tour des 3 Pokémon. Donc je ferai ça avec un peu tout le monde que... Enfin, tout ce que j'ai, et puis voilà. Donc moi personnellement, j'aimerais avoir si possible, un Salamèche dans un des parcs pour essayer de l'avoir. Mais bon, on verra bien si je pourrais l'avoir. Enfin, Reptincelle ou je sais pas qui. Mais sinon, ouais, c'est sympa cet endroit. Je sais que j'en ai déjà, mais... Je sais pas, j'ai envie de tester un Salamèche. Enfin, Shiny, je disais, hein. Juste pour tester, pour voir quelle réaction je pourrais avoir face à un Shiny reçu dans ce parc. Qui est totalement... je veux dire, on se balade dans les herbes comme si on chassait normalement, quoi. Puis on croise peut-être moins de Pokémon que d'habitude, vu qu'il y a moins de Pokémon dans les herbes, mais... C'est vrai que si t'as plus de satisfaction à trouver des Pokémon que d'habitude t'aurais jamais pu trouver, quoi. C'est vrai que si tu tombes sur des starters, ça peut être sympa. Comparé bon, à des Pokémon comme, je sais pas, Sunistrel, c'est pas non plus hyper dramatique, enfin hyper épique, mais c'est quand même pas mal. Il pleut plus d'ailleurs. On va juste visiter encore un petit coup, hein. Juste histoire de voir ce qu'il nous raconte ici sur cette île, enfin ville. Alors, Ranger, quand on a autant d'amis que moi, le safari des amis devient intéressant. Je peux rencontrer moi, sur moi, moi-même, mes chevilles, mon ego. Ok, elle est pas normale. Est-ce que tu es déjà allé dans un restaurant d'Illumis? Oui. N'oublie pas que l'acte de se nourrir implique de prendre la vie d'un autre être. C'est vrai, malheureusement. Mais bon, j'ai pas envie de crever personnellement, donc je vais continuer à manger et à tuer des pauvres êtres, des pauvres animaux. Donc voilà, bon. En s'inspirant de points forts de l'ennemi, on peut enrichir son style personnel. D'ailleurs... Ah, merci. D'ailleurs, je veux dire quoi... Comment les Pokémon se nourrissent finalement? Est-ce qu'ils mangent tous des baies? Ce sont tous des végétariens? Je suis pas sûr, parce que Karchakrok, on a vu, lui, il nique plus que des baies, hein, je pense. J'imagine Karchakrok avec une petite pomme. Enfin, une baie... Mes pauvres, je veux dire, voilà, quoi. Ça me fait trop marrer. Ils doivent forcément bouffer des rémorèdes ou des trucs comme ça, des poissons, des octieries bien fat. J'ai où, là? Je m'amuse, je fais le tour de la ville. C'est paisible, quand même, comme ville, c'est cool. Donc, on va aller ici pour voir ce que ça donne. Enfin, ce que c'est, vraiment. Maison des combats, de combat, pardon. Toi, t'es une petite... Tu fais quoi, là? Mon rêve, c'est de gagner 100 combats de suite à la maison de combat. Pour l'instant, je ne suis pas assez forte, mais toi, oui. Fais de ton mieux pour les gens comme moi. Ouais, à mon avis, on peut gérer, hein. Je vais pas le faire, mais on peut... Il n'y a pas tant de choses, finalement. Mieux vaut en avoir beaucoup de codes amis. Il paraît que comme ça, quand on dispute un combat multi, par exemple, beaucoup de dresseurs viennent à la rescousse. Sérieux? Ah oui, avec les auras. Bienvenue au service d'échange. Ah, c'est bien, comme ça, on va voir ce qu'il y a. Donc, Choncanon, Calcination, Retardise à la queue, je comprends pas les attaques, ils sont un peu pourries, visiblement. Hurlement, Entière, Crado Vague, Aile d'Acier, Aile d'Acier, c'est pas mal. Explosion, Change d'éclair, Dévoré, ok, il y a plein de CT. Là, c'est quoi? Ah, c'est aussi Service d'Échange, donc ici, en fait, c'était Service d'Échange. Protéine, Calcium, Ah, il y a les poignées pouvoir, ça, ça peut être pas mal pour les EV, justement. Ces objets pouvoir, ça permet, en fait, de doubler... Non, pas de doubler. Ça ajoute, je crois, plus 4 de V après avoir battu un Pokémon. Par exemple, si vous battiez un Pokémon qui est rapide, qui a 2 IV en vitesse, vous le tuez, tac, votre Pokémon gagne normalement 2 EV en vitesse. Plus, si vous lui donnez chaîne pouvoir, par exemple ici, bah ça augmentera de plus 4, donc 2 plus 4, 6, donc vous gagnerez 6 EV à la place de 2. Mais je pense pas que ça qu'on puisse combiner avec l'entraînement des EV, et je pense que ça serait un peu inutile parce que ça augmenterait de 4 à peine. Enfin, je veux dire, voilà.
Après, orbe toxique, orbe à flamme, air blanc, tac, tac, tac. Sachet tenteur, actriseur, magmanière, tissu, CD, lunettes sages, voilà, les lunettes sages. Enfin, lunettes choix plutôt. Qui est très utile, un objet à avoir pour n'importe quel Pokémon qui t'a dans le spécial et qui veut être rapide. qui peut être rapide aussi en même temps. Lunettes sages, c'est quoi? Un peu, ouais, non, ça c'est moins bien. Il n'y a pas bandeau. Oui, bandeau choix, voilà, mon choix, c'est que tous les objets hyper utiles. Ceinture force, enfin, il coûte assez cher aussi, hein, vous avez pu le voir. Ballon qui peut être pas mal aussi pour bah, Exagide. Comme ça il vole et puis il a presque toutes les immunités possibles. À part contre les ténèbres. Mais c'est pas des attaques qu'on croise souvent, le ténèbre et puis le feu, ça oui par contre. Et la pilule, la fameuse pilule talent qui permet de changer de talent, mais pas ceux du Dream World visiblement. Mais ce que j'ai oublié de vous dire dans les. Donc ça permet de changer de talent. Donc, vous avez des Pokémon qui ont plusieurs talents, 3, 4, enfin 3 plutôt. Et souvent la troisième c'est le Dream World. Qui est tout souvent très, très bonne comme talent. Et concernant les talents, dans le parc safari, enfin dans le parc safari qu'on est allé avant, ça s'appelle ça le parc safari ou le safari, non, le safari des amis. Hein. Vous pouvez avoir les talents du Dream World justement. Donc des talents assez spéciaux, destinés justement à ce parc. Et du coup, vous pouvez avoir des Pokémon avec des sacrés talents. Intéressant, je pense. Tu dis quoi, toi? J'aimerais juste... Toi tu dis la même chose en fait. Je suis responsable des archives de la maison. Mais j'ai pas de résultat vu que j'ai jamais fait de truc. Si je vais là ça fait quoi? Ah ça peut avancer. J'ose pas, je suis un peu dubitatif, je suis là, voilà. Donc j'ai pas envie de participer, juste savoir un peu ce qui se passe. Ok. Donc c'est sympa là, un peu fête foraine. Ah je peux pas... Ah je pense que c'est seulement si je m'inscris au truc. Attends, je vais parler aux gens. Voilà, ok. Oh, putain, il m'a fait peur ce truc. Je pensais que c'est un rat. Bon, ça, il ressemble. Hein. Alors, c'était elle, je crois, qui fait quelque chose. Discuter. De quoi désirez-vous parler? Maison de combat. La maison de combat permet aux dresseurs de s'affronter dans divers types de combats. Vous pourrez pratiquer ici des combats solo, duo, trio, rotatif et multi. Les affrontements continueront jusqu'à votre défaite. L'objectif est de gagner le plus de combats possible à la suite. Si vous êtes vaincu, vous devrez recommencer votre série de combats depuis le début. Chaque victoire vous rapporte des points de combat ou PCO que vous pourrez échanger contre de merveilleux prix. De quoi désirez-vous parler? De rien, c'est bon. Les règles, il y a des règles. Vos Pokémon de haut niveau seront ramenés au niveau 50 pour la durée des combats. Vous dirigerez une équipe de 3 Pokémon pour les combats solo, 4 pour les combats duo, 6 pour les combats trio et de 4 pour les combats rotatifs. Et les combats multi se jouent avec 2 Pokémon par dresseur. Ah, on peut faire avec des gens... Des gens. L'équipe d'un dresseur ne peut comporter qu'un seul Pokémon d'une même espèce. Et tous les objets tenus doivent être différents. Évidemment, en cas de combat multi... Les doublons entre dresseurs sont permis, forcément. De quoi désirez-vous parler? Ok, donc il n'a pas parlé des... Ou j'ai mal lu, ou il n'a pas parlé des légendaires qu'on ne pouvait pas utiliser, mais je pense que oui, hein, c'est le... Je crois qu'il a dit, je sais pas, j'ai pas écouté. J'ai pas fait gaffe à ce qu'il parlait, j'étais là en train de penser avec... comment je pourrais faire ce truc. Avec les Pokémon intéressants. Je pensais à Munja comme Pokémon, parce qu'il n'a pas beaucoup de faiblesses, il pourrait faire chier. Puis l'ordi, ils sont un peu cons, donc ils paniquent pour rien. Je sais pas, vous lui mettez Dance Slam. Je sais pas si il peut apprendre ça, mais Dance Slam en portée. Puis vous lui mettez une ceinture, histoire qu'il se fasse pas avoir avec des autres Pokémon chelous. Puis voilà, puis vous niquez, je pense, la moitié des Pokémon faciles. Hein. Après, des fois, il y a des Pokémon feu, ou des Pokémon qui ont des attaques feu, ou ténèbres, ou spectre. Mais c'est déjà moins. Ouais, ça pourrait le faire, un petit Munja, mais j'en ai pas. Faudrait que je voie si je peux les trouver dans. Les parcs safari que j'ai. Bon, c'est pas que... Enfin, voilà, j'ai fait le tour. C'est vrai que c'est un peu court comme vidéo, je suis désolé, mais... C'est un peu l'après-ligue. Je pouvais pas décider de faire tout de suite une capture. Je savais pas où c'est. Je sais même pas où c'est, en fait. Donc, je vais voir où ça va être. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Que ce soit la ligue sur Pokémon X. Que ce soit une capture d'un des légendaires. Donc, soit Zygarde, soit Mewtwo. Soit un des oiseaux légendaires. On fera peut-être un petit défi, enfin j'essaierai de me faire un petit défi sur la maison de combat, peut-être je ferai à un moment une vidéo que sur ça, j'essaierai d'aller le plus loin possible.
en coupant si jamais c'est trop lent. Et ou pas, si jamais je perds après 3 combats. Voilà quoi. Et peut-être que je ferai aussi un combat. Enfin, si on peut faire avec d'autres joueurs, des vrais joueurs, peut-être que je ferai ça avec des joueurs. On verra bien. Galius ou les autres. Je proposerai quand ça sera le temps. Le temps et l'heure. Le temps et l'heure. Le temps, quand ça en sera. Le temps, la date. Genre le gars il bad. Bon les gens, on se calme, c'est vrai une vidéo un peu plus courte, mais je préfère faire un peu courte que trop longue, puis la rallonger pour rien quoi. Donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo avec l'après-ligue, avec on l'a vu, Platane a aussi activé les méga gemmes. Donc je peux les choper maintenant, à mon avis, hein, je sais pas. Là il m'a pas parlé des méga gemmes. Au pire je le ferai en off parce que c'est pas très important qu'il me les active. Je veux dire, vous savez qu'ils y sont. Après bon, il faut juste qu'il me les active. Après je pense que si elles sont activées, je testerai. Si elles sont activées, ben, au pire, j'en chercherai quelques-unes avec vous. Mais c'est pas sûr parce que j'en ai déjà pris une ou deux, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. J'ai fait le tour et moi, ben, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode bonus sur cette aventure de Pokémon X et Y. Allez, ciao à tous, c'était Pyrux. Et merci d'avoir visionné la vidéo.